de cette assemblée. Cette salle Pompidou, je la connais très bien, pour y avoir fait du théâtre et jouer beaucoup de rôles divers, mais jamais le rôle d'un conseiller ou d'un maire. Pour tout dire, je me sens bien dans ce nouveau rôle, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un rôle, c'est la réalité. Je me sens tellement bien que je me demande si je ne vais pas rester à cette place. Non, je plaisante, non, je ne suis pas tombé bredin. Mais juste un moment d'extase après avoir fumé un bon cigare comme, ou bu un verre de fine champagne, ce qui n'est pas le cas ce matin. Hein. Mais, ressaisissons-nous, nous allons procéder maintenant à l'installation du nouveau conseil municipal et élire un nouveau maire. Donc, je déclare ouverte la première séance du conseil municipal de la commune d'Épinay-sur-Orge. Vous avez été convoqués dans les formes légales, en application notamment des articles L2121-7, L2121-10, L2121-12 et L2122-8 du Code général des collectivités territoriales, ce samedi 4 juillet à 10h, pour procéder à l'élection du maire et de ses adjointes et adjoints. Je procède donc à l'appel des conseillers municipaux. Vous serez gentil de bien vouloir répondre présent lorsque vous entendez votre nom, et si vous avez un pouvoir, de bien vouloir l'indiquer et dire de qui vous le détenez. Je commence. Madame Muriel Dorlan. Présente. Monsieur Olivier Marchaud. Présent. Madame Laurence Castin. Monsieur Vincent Gallet. Madame Annick Richard, Monsieur Brice Walter, Madame Christiane Martin, qui a un pouvoir de Madame Anne Chabrila, voilà. Monsieur Franck Barrière. Madame Sylvie Panzani, Monsieur Nathan Fabreau, Monsieur Serge Duchesne, moi-même, merci. Madame Anne Chabrila, donc pouvoir pour Madame Christiane Martin, Monsieur Christian Marais. Madame Hélène Lequeux, Madame Marie-Laure Luthier, Monsieur Jean-Marie Schiltz, Madame Muriel Bourgeois. Myriam Bourgeois, pardonnez-moi. Monsieur Christian Frandouin, Madame Christelle Bourdou, Monsieur Olivier Gallet, Madame Séverine Le Poulain, Monsieur Christian Didry, pardonnez-moi, vraiment, je suis ému, hein, je suis troublé. Monsieur Ghislain Didry, Madame Sandrine Bouvier, Monsieur Thomas Turki, non, Monsieur Gilles Dugast, Madame Pauline de Sailly, Monsieur Didier Chinardet, Madame Ghislaine Badouix-Vergne, Monsieur Jean-Loup Cochon, Madame Véronique François, donc il y a un pouvoir, je crois, pour détenu par Madame Badouix-Vergne, Madame Corinne Grison et Monsieur Sébastien Blottière. Et Madame Sophie Gaudry. D'accord, il n'est pas dessus, j'ai oublié. D'accord, bien. En tout cas, elle est présente. D'accord, ok. Donc, je vous rappelle les résultats des opérations électorales du dimanche 28 juin 2020. Électeurs inscrits 7165. Nombre de votants 2963. Bulletins blancs et nuls 94. Suffrages exprimés 2869. Ont obtenu la liste Union municipale 1022 voix. La liste Imagine Épinay, 1847 voix. Au terme de l'article L262 du Code électoral, les 33 sièges de conseillers municipaux à pourvoir ont été attribués comme suit. La liste Union municipale, 6 sièges. La liste Imagine Épinay, 27 sièges. Dans leur département de résidence, mais qui n'est pas ça, voilà.
Je déclare les déconseillers, ses conseillers et les conseillères installés dans leurs fonctions. Le quorum étant atteint, au moins 17 élus physiquement présents, le conseil municipal peut valablement siéger et procéder à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour. Avant de passer à la suite de l'ordre du jour, je propose que le conseil municipal désigne comme secrétaire le plus jeune des conseillers municipaux, M. Nathan Fabreau. Il convient désormais de procéder à l'élection du maire et de rappeler au préalable les dispositions législatives et réglementaires régissant cette élection. Il est procédé à la lecture des articles L 2122-4-4, LO 2122-4-1, L 2122-5 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints. C'est le début de l'article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints. Parmi ses membres, au scrutin secret, nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolu. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil général, régional, président d'un conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire existant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend en effet compte à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. L'article LO 2122-4-1. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Article 2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement et du contrôle de tout impôt et taxe ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux et des administrations mentionnées au premier alinéa. Article L 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je vous invite à procéder à l'élection du maire. Avant de procéder à cette élection, il est nécessaire de désigner les deux assesseurs qui composeront avec le secrétaire, M. Nathan Fabreau, le bureau de vote. Je vous propose que soient désignés M. Christian Marais et un membre de l'opposition. Alors, un membre de la majorité et un membre de l'opposition. Est-ce que l'opposition propose un assesseur ? Monsieur Jean-Luc Cochon. Donc, Monsieur Jean-Luc Cochon. Très bien, je suis marqué. Donc, pour respecter la parité, nous allons désigner Madame Sophie Gaudry, assesseur, avec Monsieur Jean-Luc Cochon. D'accord.
C'est donc Sophie, non, Sophie Godoy. Très bien. D'accord, très bien. Donc, j'appelle au dépôt des candidatures au mandat de maire de la commune d'Épinay-sur-Orge et invite donc les représentants des groupes politiques et les conseillers municipaux qui le souhaitent à s'exprimer. Je prends acte des candidatures de Madame Muriel Dorlan et de Monsieur Sébastien Blottière. J'invite les membres du bureau de vote, M. Jean-Loup Cochon et Mme Sophie Gaudry, de rejoindre M. Fabreau à rejoindre la table de gestion du scrutin, s'il vous plaît. Vous les laissez voter d'abord. Vous les laissez voter d'abord. D'accord. Donc pour cette élection, il faut utiliser le bulletin blanc qui est à l'intérieur du dossier que vous avez devant vous. Oui, alors je continue. Vous êtes invité à voter pour élire le maire de la commune d'Épinay-sur-Orge au scrutin secret à l'aide des bulletins mis à votre disposition dans vos dossiers. Les élus porteurs d'un pouvoir disposent d'un second jeu de bulletins afin de voter deux fois. Je déclare donc le scrutin ouvert. Y a-t-il des conseillers ou conseillères qui ne souhaitent pas prendre part au vote ? Ok, donc à l'annonce de chaque conseiller par ordre de liste d'appel, le Benjamin fait circuler l'urne. Après le vote du dernier conseiller, le scrutin est clos par le doyen, moi-même. Alors, Madame Muriel Dorlan. Monsieur Olivier Marchaud, Madame Laurence Castin, Monsieur Vincent Gallet, Madame Annick Richard, Monsieur Brice Walter, Madame Christiane Martin. Désolé, ça te fait faire. Monsieur Franck Barrière. Ouais. Voilà. Madame Sylvie Panzani. Monsieur vous-même, Nathan Fabreau. Monsieur Serge Duchesne. Madame Al-Chabria. Vous voir à Christiane Martin, voilà. Monsieur Christian Marais. Madame Hélène Lequeux. Madame Marie-Laure Luthier. Monsieur Jean-Marie Schiltz. Madame Myriam Bourgeois. Monsieur Christophe Randouin. Madame Christelle Bourdoux. Monsieur Olivier Gallet. Madame Séverine Le Poulain. Monsieur Ghislain Didry.
Madame Sandrine Bouvier. Monsieur Thomas Turki. Monsieur Gilles Dugast. Madame Pauline Desailly. Madame Sophie Gaudry. Monsieur Didier Chinardet. Madame Ghislaine Badouix-Vergne, donc deux bulletins. Monsieur Jean-Loup Cochon. Donc Madame Véronique François pouvoir à Madame Badouix-Vergne. Madame Corinne Grison. Monsieur Sébastien Blottière. Le scrutin est clos. Il est procédé au dépouillement par les deux assesseurs. Sébastien Blottière. Madame Dorland. Madame Dorland. Madame Dorland. Madame Dorland. Monsieur Blottière. Madame Dorland. Madame Dorland. Monsieur Blottière. Madame Dorland. 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 Monsieur Blottière. Madame Dorland. Madame Dorland. Madame Dorland. Madame Dorland. Madame Dorland. Madame Dorland. Madame Dorland.
Madame Dorlan. Madame Dorlan. Monsieur Blottière. Monsieur Blottière. Nombre de bulletins exprimés 33, Monsieur Blottière 6 voix, Madame Dorlan 27 voix. Madame Dorlan est élue. Bravo. Je proclame donc Madame Muriel Dorlan élue maire de la commune d'Épinay-sur-Orge et immédiatement installée dans ses fonctions, je lui remets immédiatement l'écharpe de maire. Je cède donc la présidence à notre nouveau maire, à Madame la maire, Madame Muriel Dorlan. Mesdames, Messieurs, j'ai le très grand honneur d'être la nouvelle maire de notre commune Épinay-sur-Orge. Dès le lendemain du scrutin, nous nous sommes mis au travail aux côtés des agents municipaux que je salue et remercie pour leur investissement. Je renouvelle également tous mes remerciements à celles et ceux qui ont accordé leur confiance à notre liste Imagine Épinay. Nous allons mettre en œuvre la nouvelle gouvernance appelée de vos vœux afin de renforcer la participation active des administrés à la vie de notre commune. Je souhaite rassurer toutes celles et ceux qui n'ont pas adhéré à notre programme. Ils ne seront pas oubliés, ils seront respectés, je m'y engage, dès lors que l'intérêt des Spinoliens et d'Épinay-sur-Orge restera au centre des préoccupations. Avec les élus de la majorité, nous promettons de mettre en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre à nos engagements et à vos volontés pour notre bien-être commun. Nous lancerons très rapidement les consultations participatives pour notamment l'amélioration de la circulation et du stationnement sur notre commune. Durant la période estivale, je vais engager un audit financier et faire un état des lieux du patrimoine de la commune. Ce ne sont là que les premiers jalons du travail que nous allons devoir mener ensemble. La tâche est vaste, mais tous ensemble, nous serons imaginatifs et plus efficaces. Pour y parvenir, je demande à tous les élus de se mettre à la disposition des Spinoliens en conservant une attitude digne, respectueuse et responsable en toutes circonstances.
Comme au soir du second tour, je renouvelle mes vœux de collaboration constructive avec les élus de l'opposition au service et pour le bien-être de nos concitoyens. Ensemble, je vous propose d'écrire une très belle page de l'histoire d'Épinay-sur-Orge, résolument tournée vers l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Merci à notre doyen Serge Duchesne pour avoir installé ce conseil municipal. Je poursuis ce conseil municipal en précisant que le projet de délibération 4 relative à la fixation du nombre de membres au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale d'Épinay a été modifié. Les nouvelles notes de présentation et le projet de délibération vous sont remis sur table. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des observations à formuler par rapport à ça? Ok. Du coup, on poursuit ce conseil municipal par la détermination du nombre d'adjoints. Vous avez le projet de délibération dans vos dossiers. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que le nombre des maires adjoints fasse l'objet d'une délibération sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du Conseil. En conséquence, pour notre strate de population, nous pouvons aller jusqu'à notre strate de population fixant le nombre de conseillers municipaux à 33. Le nombre de maires adjoints ne peut pas être supérieur à 9 et je vous propose de fixer ce nombre de maires adjoints justement à 9. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà. À l'unanimité, merci. Alors, le point numéro 3. Nous poursuivons par l'élection des maires adjoints. Cette élection se fait au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, donc vous avez reçu le conseil à vos domiciles et vous avez le rappel réglementaire sous les yeux. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je vous propose donc de procéder à ce scrutin. Pardon ? Oui, il faut que j'appelle. Alors, j'appelle les listes présentes. Attends, je retrouve mon. Je ne sais plus où j'en suis, mais ça va venir. Vous êtes appelé donc à élire les maires adjoints. On en est où ? Voilà. Excusez-moi. Il appartient donc au conseil municipal de fixer le délai de dépôt des listes de candidats, que je propose de fixer à 5 minutes maximum. Et je sollicite le dépôt des listes de candidats aux fonctions de maire adjoint. Une liste là. Pas de liste pour l'opposition. Alors du coup, on procède au vote quand même. D'accord. Alors, les listes sont déposées. Vas-y, on t'écoute, Olivier. Alors, attends. Donc, je vais vous annoncer la liste. Tête de liste, Marchaud-Olivier. Deuxième position, Castin-Laurence. Troisième position, Gallet-Vincent. Quatrième position, Richard-Annick. Cinquième position, Walter-Brice. Sixième position, Martin-Christiane. Septième position, Barrière-Franck.
8e position, Panzani Sylvie. 9e position, Fabro Nathan. Vous êtes donc appelé à voter pour élire les maires adjoints, les adjoints aux maires de la commune d'Épinay-sur-Orge au scrutin secret à l'aide des bulletins saumon mis à votre disposition dans le dossier. Vous êtes invité à noter le numéro de la liste. Bon, c'est simple, il n'y en a qu'une. Et les élus porteurs d'un pouvoir disposent d'un second jeu de bulletins afin de voter deux fois. Je déclare le scrutin ouvert. J'ai oublié de demander s'il y avait des abstentions. Pas d'abstention. Donc je procède à l'appel des élus pour procéder au vote. Donc Muriel Dorlan. Olivier Marchaud. Laurence Castin. Vincent Gallet. Annick Richard. Chris Walter, Christiane Martin, Franck Barrière, Sylvie Panzani, Nathan, c'est à toi de voter. Serge Duchesne. Anne Chabriat, pouvoir donner à Christiane Martin. Christian Marais. Hélène Lequeux. Marie-Laure Luthier. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, pour que ça soit plus simple pour Nathan ? Merci. Jean-Marie Schiltz. Myriam Bourgeois. Christelle Bourdou. Olivier Gallet. Séverine Le Poulain. Ghislain Didry, derrière toi. Sandrine Bouvier. Thomas Turki. Pardon. J'ai oublié Christophe Randouin. Désolée. Gilles Dugast. Pauline Desailly. Sophie Gaudry. Didier Chinardet. Ghislaine Badwix-Fern, Jean-Luc Cochon, Véronique François, pouvoir donner à Ghislaine Badwix-Fern. C'est fait aussi, d'accord. Corinne Grison, Sébastien Blottière, merci. Le scrutin est clos. Et il est procédé à l'opération de dépouillement par les assesseurs.
33 bulletins. Liste 1. Liste numéro 1. Liste 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 1. Blanc. Blanc. Liste 1. Blanc. Liste 1. 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 Blanc. Liste 1. Blanc. Liste 1. Blanc. Liste 1. Liste 1. Trente-trois bulletins exprimés, blanc 6, liste 1, 27. La liste 1 est élue. Bravo. Donc je reprends ce qu'a dit Nathan, la liste 1 est élue par 27 voix pour. Je proclame l'élection des adjoints, c'est déjà fait, et les déclare immédiatement installés dans leurs fonctions. Je vais les appeler un à un et leur remettre leur écharpe en vous énumérant leur délégation. Et chaque adjoint rejoint ensuite sa place. Vous m'entendez là? Alors, j'appelle Olivier Marchaud, qui sera premier maire adjoint, chargé de l'urbanisme, des mobilités et du développement économique. J'appelle à présent Madame Laurence Castin, qui sera deuxième maire adjoint, chargée du budget, des finances et des affaires générales. J'appelle maintenant M. Vincent Gallet,
qui sera troisième maire adjoint, chargé des relations avec la communauté d'agglomération, de la communication et du numérique. J'appelle Madame Annick Richard, qui sera quatrième maire adjoint, chargée du domaine public, de la voirie et des espaces verts. J'appelle M. Brice Walter, qui sera cinquième maire adjoint, chargé du patrimoine bâti et des politiques sportives. J'appelle Madame Christiane Martin, qui sera sixième maire adjoint chargée des affaires sociales, des solidarités et de la santé. J'appelle M. Franck Barrière, qui sera septième maire adjoint, chargé du scolaire, périscolaire, enfance et politique jeunesse. Merci. J'appelle Madame Sylvie Panzani, qui sera huitième maire adjoint, chargée du développement durable et des projets d'aménagement. Et j'appelle Nathan Fabreau, qui sera 9e maire adjoint, chargé la vie citoyenne, la culture et l'événementiel. À préciser que Nathan n'a pas 20 ans, il fait partie des plus jeunes maires adjoints de France. Bravo à lui. Bon, à présent, on va reprendre, maintenant que tous les maires adjoints sont installés. On va reprendre le déroulement du conseil municipal et passer au point 4 de l'ordre du jour qui concerne la fixation du nombre de membres au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, CCAS, de la commune d'Épinay. La réglementation prévoit que le conseil d'administration puisse être composé de 8 élus et de 8 personnes représentants de la société civile.
Je propose au conseil municipal de fixer ce nombre à 5 élus et non pardon, à 6 pardon, c'est l'objet justement de la modification, à 6 élus et à 6 représentants de la société civile. La répartition se faisant pour 5 sièges pour la liste de la majorité et en proposant un siège, c'est ça, hein, pour l'opposition, parce que là je fais de tête sans papier. Voilà. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? À l'unanimité, merci beaucoup. Et dernier point de ce conseil municipal d'installation, je vais procéder en application de la loi 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice pour les élus locaux de leur mandat à la lecture de la charte de l'élu local dont vous avez copie dans vos dossiers. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat, et le vote. L'élu local, bah c'est pas mieux. Je prie de m'excuser. C'est la fin. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Oui, je veux bien, s'il te plaît. L'élu local participe avec assiduité, merci Olivier, aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Mesdames et messieurs, si j'y arrive jusqu'au bout, à l'issue de la lecture de cette charte de l'élu local, je m'engage personnellement et solennellement à faire respecter les dispositions énumérées ci-dessus et vous demande d'en faire autant. Merci. Ce conseil municipal est terminé. Nous allons procéder aux signatures des procès-verbaux d'élection du maire et des adjoints, ainsi que des tableaux des élus. Il y a un parapheur qui tourne, donc il ne faut pas oublier de le signer, s'il vous plaît. Et vous ne partez pas tant que les membres de l'administration... D'accord. Bon, alors, les signatures de procès-verbaux ne concernent que les assesseurs, Monsieur Cochon et Sophie Gaudry, Nathan, Serge Duchesne et moi. Donc, voilà. Avant de terminer ce conseil municipal, je vous remercie de votre soutien, puisque c'est le premier pour moi, de votre soutien et de votre bienveillance. Je voudrais ajouter un dernier mot. Les petits brins de blé que vous avez sur la table nous ont été déposés par notre agriculteur Gérard Prodel. C'est un petit clin d'œil et un petit geste de sa part. Et également, un petit porte-bonheur que nous pouvons conserver de ce conseil d'installation pour ce nouveau mandat. Merci à vous. Oui, vous avez raison de ne pas vous lever. Oui, Monsieur Blottière, je vous écoute. Oui, pardon, excusez-moi. Vous appuyez sur... vous n'avez pas de micro. Non, on va vous en porter un. On vous en apporte un. Excusez-moi, vous avez raison de me le...
et je vous donne la parole volontiers. Merci. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, c'est effectivement une idée pour moi. Madame la maire, je vous félicite pleinement, moi et mes partenaires de la liste Union Municipale, pour cette élection, hein, que ce soit sur les résultats du suffrage exprimé et puis votre élection de maire ce matin. Nous aurons une opposition bien présente, mais constructive. Je vous l'ai dit, on s'est rencontrés, on en avait parlé. Nous serons vigilants et puis nous-mêmes, nous veillerons à ce que l'intérêt des Spignolins, l'intérêt général, soit toujours l'objectif de nos délibérations et de nos discussions ici en conseil municipal. Je vais, c'est des mots très rapides, hein, je termine par une note fair play. On vit une alternance politique à Épinay-sur-Orge. Moi, je ne fais pas partie de ces spinoliens de génération en génération que j'ai appris à connaître, que j'ai découvert, et qui sont très très attachés à leur ville. Je suis moi-même attaché à ma ville, et j'ai donc un peu appris l'historique, et effectivement, c'est une alternance politique. Aujourd'hui, pour reprendre une image sportive, la balle est dans votre camp. À vous de jouer, nous serons présents. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une réussite, parce que ça sera la réussite de tous les spinoliens, et nous en serons tous satisfaits. Voilà, je vous remercie. Je vous invite à présent à boire un verre avec nous. Nous avons préparé un petit cocktail. Ce terme est peut-être un peu présomptueux. En tout cas, on vous propose de venir boire un verre ensemble. Ne partez pas sans venir nous dire un petit mot ou échanger entre vous. Merci et bonne journée à tous.